Hey, coucou YouTube! Tu entends ce bruit d'hélicoptère? Tu entends cette musique endiablée? Je te laisse regarder, pense à liker, commenter et abonne-toi. Bon allez, Zaya, je vous fais une game de ouf. Ok les gars, donc je sais qu'il y a un mec là devant moi à peu près. Il est low HP. Hop, petit pré-fire qui passe bien. Je peux pas l'interroger. On la bat. Hop, on s'allonge. On essaie de prendre l'information. On a l'information. On s'allonge. Hop, on saute. On plonge de l'autre côté. Contre-staff, contre-pied. Hop, il crame. Zinedine. C'est... Oh là là. C'est un point rouge ça. Je vous ai dit que j'allais vous régaler, chat, je vais vous régaler. Posez-vous, bon appétit tout le monde. Encore toi? Ouais, je t'ai mêlé et tout devant ta main, d'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Pourquoi t'es devenu gentil? Est-ce qu'on te casse les couilles? Donc je me suis mis un coup, ça sert à rien. Ah bah merde, c'était un autre mec. Voilà, vous l'avez vu. Hello. Yo, 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 yo. Yo, bro. Hey, what's up, guys? Regardez-le. C'est quoi, je vais poser mon truc sous mes couilles. C'est bon, la souris est sous mes... On dirait qu'une couille est descendue, chat. Sans cet accident couillesque, chat, ce mec serait encore en vie. Eh, chat, j'avais les deux mains en l'air. Ah, chat, si pour mon anniversaire de partenariat, je tue pas quelqu'un avec ma couille. Vous vous rendez compte, les gars, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch. 7 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'avais 23 ans. Il me disait, ouais, tu veux bouffer une tub? Je dis, ouais, une tub, carrément, une bonne tub. Tub, 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 tub. Je demande une reconnaissance immédiate. On arrive sur zone. Reconnaissance en cours. Oh, je viens de penser à un truc. Bah... Vous avez vu le drone, comment il bug? J'ai vu une demi-seconde qu'il y avait un mec ici. Il y a un sniper qui a essayé de me shot. Je sais pas où il est. J'ai cru apercevoir un truc, j'ai dû me planter. Je l'ai vu. Un français. Ça joue, hein, chat, hein.
Ils prennent des positions de merde et ils challengent pas, les gars. Je me demande comment ça se passe dans leur tête, à ces mecs. Du coup, là, il va rester caché, le bonhomme. Les gars, sincèrement... 200 mètres, le mec m'a crack. Si un mec à 200 mètres crack comme ça, c'est-à-dire quand tu seras en open, il va t'a... Voilà. C'est un joli tir. C'est pas le même mec bizarre que tout à l'heure, celui-là? À mon avis, c'est le même. C'est machin, Uranos. Oh là là. Alors lui, les gars... Ah, c'est le même mec. Il y a zéro colis dans toute la zone, les gars. Je trouve ça un peu chelou. Mais non! Ah, elle était fermée la porte? What the fuck? Non. 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 Il est trop bizarre, gros, lui. Et pour le snipe, il est en full visu fixe sur moi. Oh, oh. Hey, coucou YouTube. Tu entends ce bruit d'hélicoptère? Tu entends cette musique endiablée? Je te laisse regarder, pense à liker, commenter. Et abonne-toi. T'as pas de masque, hein? Si, si, j'ai la culotte de règle à ta mère. Tu vas manquer de fuel. Frérot, tu... appelle-moi Ethanol. Wesh! Yo le collègue! Ah! Les gars, on est zone 8. Piou! Il reste 5 mecs, il y en a sûrement 2 qui vont mourir sur la rotation. Il restera plus que 3 mecs. Après, ils vont se battre en 1v1, il en restera plus qu'un. Oh là là, il me tire dessus, chat. Vous savez ce que je vais faire? Je vais même pas me fight contre lui, les gars. Je vais attendre que le cercle se resserre et je vais partir. Et je vais partir. Mais il y a combien de zones? Gros, on est en zone... On est en zone 11, on va vers la zone 12. C'est les ESWC. Est-ce que tu peux arrêter de tirer sur mon hélicoptère, mec? J'ai fait de la lumière pour lui dire, oh,
Merde, il va péter l'hélico au final, hein. Oh, c'est... Oh, non. Le bouclier, gros. Il est encore mort. Ah, oh, c'est faux. C'est tellement faux. Oh, le karma. Bon, bien joué. Les gars, je tiens juste à dire quelque chose pour vous et pour YouTube. Est-ce que cette game, au final, vous montre pas un peu pourquoi est-ce que j'ai un peu arrêté d'utiliser le bouclier? Si vous faites plaisir que vous regardez quand il m'a tué, j'avais repris mon bouclier en main avant même que mon shield soit crack. C'est-à-dire que j'ai repris mon bouclier en main, mon shield s'est crack et ma vie est tombée.